Alors, je vais faire une personne du Vieux-Nice, une vieille mémé, comme on disait, quoi. Que dans l'époque, elle vendait à la rue droite, hein. Elle avait une petite échoppe de charbon et bois et de persil. Et c'était ma grand-mère, hein. Ouais, ma grand-mère. Et ça était de la rue droite à la rue Saint-Joseph. Après, elle avait changé deux fois le truc là. Voilà, je vais vous faire. Hein. Ça, c'est pas de l'argile crue. Hein. L'argile crue, elle se présente beaucoup plus molle. Celle-là, c'est de l'argile travaillée qui est, disons, on y a enlevé l'eau et on l'a remplacée par un produit qui a légèrement du formol dedans. Alors, l'argile, il est plus dur que l'argile crue, quoi. Mais en revanche, il est beaucoup plus solide sans le faire cuire que l'autre que vous avez, vous voyez. Alors là, je l'ai mis dans un petit linge humide pour qu'elle reste toujours très souple, hein, parce qu'autrement, ça durcit, quoi. Bon. L'argile, l'autre, elle est beaucoup plus souple à travailler, hein, mais elle est beaucoup moins solide. Il y a la couleur, mais vous avez trois couleurs. Il y a l'argile marron, l'argile verte et l'argile pratiquement blanche. Mais ça, ce n'est pas de l'argile blanche. C'est de l'argile travaillée. Alors, je n'ai pas pu en prendre ailleurs, je n'ai pas pu sortir, donc j'ai pris celui-là. Voilà. Dans ma tête, je vois le personnage fini. Hein, moi. Pour moi, il est déjà fini. Hein. Du moment que je l'ai composé dans ma tête, que je sais comment je vais faire le mouvement, après, pour moi, ça vient. Pour faire un centaure, disons, je sais pas, ça c'est suivant le cas, une demi-heure, à peu près 25 minutes. Ça dépend comment ça me tombe, les personnages, ils vont me tomber quand je les fais. Hein. Des fois, l'argile, au dernier moment, elle se fait, mais elle ne se colle pas. Alors ça, c'est emmerdant qu'elle ne se colle pas. Vous savez qu'avant, à 70 ans, c'était des vieilles. Hein. Ma grand-mère était toujours habillée en noir. Hein, quand elle avait 72 ans. Je l'ai toujours connue, moi, habillée en noir. Hein. J'ai fabriqué des poupées pendant presque 20 ans. Hein. Donc, je veux dire, les poupées, ça m'a rapproché de faire ces petits. Mais j'ai toujours eu quand même cette envie de faire des. Je sais pas moi, de modeler, de créer, je sais pas. Quand j'étais en train de faire quelque chose, je pensais. Pendant la guerre, il n'y avait pas des jouets pendant la guerre. Et pour me faire un peu d'argent de poche, je récupérais les manches de balai. Et alors, je coupais soit des rondelles à peu près de 5 mm. Des morceaux, je les laissais droits et je faisais des petites locomotives, c'est-à-dire le morceau droit, deux roues et un morceau ici, comme ça. Puis après, je les peignais, je les vendais dans un magasin du boulevard Joseph Garnier. Ils me les mettaient en vitrine et ça se vendait. Hein. Avec un clou, je tordais, je faisais le crochet, quoi. Et pour traîner, les enfants, ils étaient tout contents. Hein. J'ai toujours aimé faire des trucs. Je ne peux plus le travailler parce que. Quand j'écrase un point, le second, il revient à la normale, parce que, voilà, et à peu près ça. Voyez, ça part un peu, parce que c'est le bras qui descend, hein. L'argile, elle est trop molle, hein, je peux pas. Et pour le peindre, je suis forcé d'enlever le panier, parce que je ne pourrais pas peindre dessous, quoi. Hein. Voilà. Voilà, faire la présentation, ça serait ça. Hein. Oui. Après, il y a toute la finition à faire. Hein. Voilà, les grosses poches, là, les poches. Voilà, à peu près ça. Ça fait ça. Le bâton se change, après, j'y mettrai un autre bâton. Bon, on va aller voir votre collection. Hein. Vous en avez combien en tout? Il va y avoir avec un, deux, trois, 64. Le cireur, la femme qui fait peut-être un peu plus, peut-être 65. Et ouais. Alors là, je vais vous faire voir, c'est tous des personnages qui étaient connus avant la guerre
et jusqu'en 1952, 53, puis après ce sont été à mesure quoi. Alors là, vous avez le maire de Nice, hein, M. Jean Médecin, qui a été là, hein, maire de Nice. Monseigneur Rimbonc, lui, il était pendant la guerre, il a été officier, et après il a joué un grand rôle dans la résistance, là, Monseigneur Raymond. Le joueur de boules, M. Galarate, surnommé G, qui était connu de Nice, surtout par les journaux, par ses exploits sportifs à la place Arson, lui, il était très connu. Ça, c'est Blake, le passager du port, celui-là qui faisait passer le port. C'était gratuit, mais il fallait donner une petite pièce de monnaie, quoi. Et voilà. Alors celui-là, oui, celui-là, il était vraiment formidable. Ah, la vendeuse de socs. Alors, la vendeuse de socs, où c'est que je l'ai mis? Voilà. Voilà, la vendeuse de course qui était au Cours Soleil. Hein. Où, de temps en temps, elle allait le matin vers les 9-10 heures. Elle traversait, elle passait par le Cours Soleil et par le bord de mer. Et elle s'installait là au quai des États-Unis pendant un moment, voilà. Alors il y avait la fameuse, je crois qu'il y avait les papiers, je crois que j'ai pas mis les papiers, non, j'ai pas mis. Ah oui, voilà. Ouais. Alors il y avait les papiers pour faire le cornet, voilà. Je l'enlève, attendez, parce que c'était même plus petit ça. Voilà, elle faisait les cornets, elle faisait donc une ration. Et alors quand elle avait coupé, je crois cinq morceaux, ça devait faire. On disait en histoire, on disait le chicot. Le chicot, ça voulait dire le petit bout. Et vous en coupez encore un petit bout qui était gratuit, celui-là. Celui-là, il était gratuit, voilà. Après, vous aviez le vendeur de marrons, qui était à peu près identique dans la combine, voilà. Alors, lui vendait les marrons. Le cornet, pareil, hein, cornet de marrons, quoi. Et quand c'était un bon client, avant de fermer le cornet, il vous en rajoutait encore un dessus. Que c'était vraiment gratuit, celui-là, il était. Vous avez M. Giletta, le photographe, que c'est pour ça que maintenant on connaît beaucoup de choses qu'avant on n'aurait jamais connues, quoi. Il parcourait sur un tricycle qu'il avait, un petit tricycle à moteur, il parcourait toute la ville et tous les alentours de Nice, où tous les plus beaux clichés ils sont de lui. Hein. Il a fait connaître Odissoir. Les alentours de Nice, quand on a les Niçois ne se déplaçaient pas à l'époque. Hein. C'est comme ça, il a des vues merveilleuses, ça. Ça c'est un homme formidable. Ah, le vitrier, bien vu, le vitrier, lui, il a disparu, je crois, vers. Il y en a eu un qui est resté longtemps après, longtemps, je me rappelle, c'était pas le même, bien entendu, mais il est resté longtemps, le vitrier. Puis après, quand il y a eu les magasins, les vitreries qui se sont ouvertes, les vitres plus solides, le métier, c'est. Autrement, il avait toujours. C'était très lourd, hein, parce qu'il avait toujours une dizaine de plaques de verre qui coupaient directement sur les trucs. Il avait la pâte de mastic, hein, une pince, voilà. Et alors, il criait vitrier! Fort, fort, fort. Il était connu parce qu'il faisait la promenade des Anglais, surtout, mais l'été, il faisait le bord de mer, quoi. Et alors il vendait des cacahuètes, que c'était lui qui faisait le caramel. Hein. Alors il disait, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends, c'est ma femme qui me mange l'argent. Il gagnait peu, vous savez, à l'époque, c'était très peu, il gagnait, vous savez, c'était déjà hein, ça. Alors après, vous avez la dame en bleu, comme on l'appelait à l'époque, quand on est, parce qu'il fallait payer la fameuse chaise bleue. Pour les Anglais. Alors il y avait la chaise bleue, alors c'était très peu, mais malgré ça c'était cher pour nous. Hein. Alors elle était seule à faire ça. Alors quand elle vous voyait de loin que vous allez vous asseoir sur le truc, elle venait vite demander-le, elle vous donnait le ticket. Alors quand on était jeune, nous on s'asseyait, on la regardait de loin, parce qu'elle était bien typique, elle avait un gros chapeau de paille avec une musette. Et quand elle arrivait à quelques mètres, hop, on se levait. Et on partait. Alors, elle nous courait derrière, mais comme on était des jeunes, elle ne pouvait pas nous rattraper. Elle ne pouvait pas nous rattraper. Tevert, lui, il était connu parce que c'était un cycliste de l'avenue Cyril Bessé, mais qu'à l'époque, il était fréquenté par tous les champions de la moto. Il y avait à l'époque, il y avait
Brassigny, Monneret, Jeanneret, Béra, qui courait en 125. Il y avait Monneret, c'était le crack, c'était Brassigny. Il était, je crois, il courait en 500. Ouais. Ils avaient à l'époque, il y avait une course, c'était la course de la moyenne corniche. Départ place Saluzeau, arrivée au Cocardie, voilà. Après, vous aviez le livreur de glace vive. Alors, lui, c'était. Il venait avec le cheval et la prolonge. Il avait les barres, vous demandiez soit un quart, soit un demi, quoi. Et vous le livrez. Alors, les gens, ils prenaient un morceau de glace, pas tout le monde, hein, parce que c'était cher, hein. Un morceau de glace, on cassait en morceaux, on le mettait dans une bassine et on mettait les bouteilles au frais, quoi. Mais certains, ils avaient des buffets avec comme un congélateur, c'est-à-dire c'était fabriqué avec un zinc soudé, avec un écoulement pour l'eau, et sur la plateforme de dessus qui était très froide, on mettait le beurre, les denrées comme ça, et l'eau coulait par cet entonnoir avec une bassine dessous. Voilà. Il se trouvait place de Saint-François. Je me suis consacré à tous ces petits personnages de Nice, parce que je me dis que le jour que je m'en vais, peut-être les gens ils se rappelleront encore de tous ces personnages qui ont existé, que personne n'a plus connu. C'était tellement notre vie qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer la vie actuelle. Et est-ce qu'elle était meilleure ou pas meilleure? Pour moi, oui. Pour moi, elle était meilleure. Pour moi, je l'ai toujours trouvée meilleure. Mais peut-être les anciens, non, mais pour moi, c'était une vie merveilleuse de personnes qui étaient compréhensibles. On avait plus de contact avec les gens. On parlait niçois, beaucoup parlaient niçois. Moi, j'ai parlé, je perds la langue niçoise à force de plus. Et ceux que vous entendez parler niçois, ils n'ont pas l'accent. On a des Parisiens qui parlent niçois. Voilà. Pour conclure, dites-moi un mot en niçois. En niçois, je pourrais vous dire. Sur Ben, sur Daki, sur Denis, et puis la Ben, comme un côté.